Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous fais un retour de course. Donc comme toujours, je fais mes courses chez Lidl. Donc une fois par semaine, je vais chez Lidl faire tout ce qui est épicerie. Et ensuite je vais, je dirais une fois tous les 15 jours, 3 semaines au magasin bio. Et également, alors là tous les samedis, je vais sur le marché. Je n'achète pratiquement jamais mes fruits et légumes dans un supermarché, parce que comme ça, ça évite le suremballage, puisque souvent les fruits et légumes sont parfois emballés, etc. Et puis comme ça, je mange des fruits et des légumes qui viennent de mon producteur, donc ils sont bien frais, ils ont été cueillis genre la veille, et ils durent plus longtemps. Les fruits et légumes qu'on achète sur le marché durent plus longtemps quand vous passez vraiment par des producteurs. Donc je vais vous montrer aujourd'hui mon retour de course chez Lidl. Donc là je reviens de chez Lidl à l'instant et je suis également partie ce matin au magasin bio parce que j'avais pas mal de petits trucs à acheter. Donc je vais vous montrer tout ça et je vous dirai en même temps ce que je compte faire comme meal prep. Donc dimanche, là aujourd'hui on est jeudi et donc dimanche je vais meal prepper et comme toujours je fais mes courses selon ce que je vais manger la semaine prochaine. Quand je fais mes courses, j'ai déjà exactement les plats que je vais manger la semaine prochaine. Comme ça j'achète en conséquence et comme ça pas de gaspillage. Je n'achète pas et je dépense pour des trucs qui ne me serviront peut-être pas et que du coup vont se périmer dans mon frigo, donc inutile. C'est parti, on commence tout de suite par les trucs surgelés. Alors en surgelé, je fais toujours mes courses avec mes tote bags. J'ai toujours les tote bags dans le coffre de la voiture, c'est très pratique. Donc j'ai un tote bag K. J'en ai plein des tote bags, hein. J'ai des tote bags Snackies évidemment. Là c'est un tote bag qui nous a été offert par la marque Vegetal Water. Donc je fais toujours mes courses avec ça. Et c'est très pratique et ça évite de prendre des sachets au supermarché. Donc on va commencer par une pizza. Lidl a sorti récemment sa gamme en édition limitée. Donc sa gamme veggie, sa gamme vegan et sa gamme voilà avec une très bonne composition. Et donc il y avait ces pizzas, j'en ai acheté une la semaine dernière. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le genre de choses que j'achète strictement jamais. Je crois pas que vous ayez déjà vu en retour de course des pizzas industrielles. J'en achète strictement jamais. En général vous savez que le vendredi soir c'est mon petit moment à moi, j'adore me faire des pizzas. En général j'opte toujours pour la pizza à la patate douce. Et donc je me suis dit que j'allais en reprendre une parce qu'elle était délicieuse, très bonne composition. Donc c'est une pizza aux légumes grillés saveur provençale. Donc je me suis dit que j'allais en reprendre une, que j'allais la laisser au congèle. Et un soir de disette, un soir de flemme, un vendredi soir où j'ai pas envie de faire forcément une pizza à la patate douce, et bien plutôt que me prendre un truc un peu dégueulasse, je ne sais quoi, et bien j'aurai une pizza à la bonne composition. Ça reste une pizza mais en tout cas la composition est plutôt très bonne. Donc voilà. En surgelé, j'ai pris également leurs longs nuggets de blé. Donc ça c'est de leur gamme veggie. Par contre leur gamme veggie, ce qui est dommage c'est que c'est une édition limitée. Donc on en a acheté la semaine dernière avec Zadora parce qu'on l'avait vu sur Instagram que Lidl avait sorti sa gamme veggie. Donc ça c'est 100% végétal. Et la composition est vraiment très bonne également. Vraiment vraiment. Et il me semble, alors c'est 100% végétal, est-ce que c'est vegan? Ah oui, c'est pas vegan parce qu'il y a des traces possibles de lait. Mais sinon il n'y a rien de lait là-dedans. Non. Et donc moi j'en avais acheté la semaine dernière avec Isadora. Isadora en avait acheté aussi. Moi je les ai pas encore testés donc ils sont encore dans mon congèle. Mais Isadora les a tellement aimés. Donc du coup je l'en ai repris deux paquets, puisque en ce moment elle arrive à manger absolument à rien du tout. Il y a beaucoup de choses qui la dégoûtent vu qu'elle est enceinte. Donc je lui en ai pris deux, comme ça je sais que au moins elle aime beaucoup. Elle arrive à les manger sans problème, elle a adoré. Donc je lui ai demandé est-ce que tu veux que je t'en reprenne vu que je vais chez Lidl. Elle m'a dit oui oui oui. Donc j'en ai pris deux et c'était les deux derniers de Lidl. Il n'y en a plus du tout, malheureusement c'est comme ça. Cette gamme elle est que en édition limitée. Et elle reviendra peut-être l'année prochaine. Donc ça c'est dommage quand Lidl fait ça, quand ils ont des bons produits comme ça et qu'ils les mettent que en édition limitée. C'est dommage. Mais en tout cas si vous les trouvez dans votre Lidl, n'hésitez pas à aller checker. Ils sont vraiment délicieux. Et pareil ça c'est des choses qu'on mange pas régulièrement avec Zadora. C'est rare qu'on achète ce genre de choses. Et c'est pratique aussi pour les soirs, les jours de flemme. Voilà. Pour moi j'ai pris les galettes de soja, so veggie. Donc pareil, même gamme, bonne composition, 100% végétal. Je ne connaissais pas du tout celui-là, j'en avais pas pris la semaine dernière. Donc je me suis dit que j'allais en prendre. Et puis je testerai, on verra bien. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'Isadora m'a dit vraiment que les nuggets de blé sont vraiment
délicieux, donc j'ai hâte de les goûter. En surgelé, j'ai pris également des framboises surgelées, je les prends toujours chez Lidl. J'en ai toujours dans le congèle, puisque j'en utilise pour les pâtisseries. Je les utilise dans les pâtisseries directement surgelées, hein. Je les décongèle jamais au préalable. Je les mets directement dans ma pâte à cake directement congelée. Je vais les mettre également dans mes overnight porridge directement surgelés. Je vais les mettre dans mes smoothies. J'achète toujours, et là j'en avais plus, donc il fallait impérativement m'en racheter. Évidemment, j'ai repris des fraises surgelées Lidl, j'en achète toujours, et je les mange exclusivement pour faire, je vous le donne en mille, si vous me suivez, vous savez ce que je vais faire avec ça. Je vais encore faire pour mes petits déjeuners de la semaine prochaine, le crumble de Deliciously, et là, voilà, parce que j'adore ce crumble. Je veux toujours changer et manger autre chose. Et en fait, vous passez votre temps à me notifier sur Instagram en me montrant vos crumbles. Et à chaque fois, ça me donne envie d'en refaire. Et hier soir, je regardais vos messages privés et j'ai vu que j'étais notifiée mais tellement de fois avec ce crumble. J'ai fait bon, c'est bon, j'ai envie d'en remanger. Donc, c'est tout pour le surgelé. On va passer maintenant à l'épicerie. Voilà, à l'épicerie. Alors, en épicerie, j'ai acheté ces petites tomates séchées, c'est de leur gamme italienne, il y avait un rayon entier de leur gamme italienne. Et j'ai regardé la composition et franchement, très bonne composition. Tomates séchées, eau, sel marin, iodé, c'est tout. Donc c'est le genre de truc que j'achète très rarement, mais ça m'a donné envie parce que pour mes repas du soir, la semaine prochaine, je vais me faire des egg muffins. Alors les egg muffins, on en a déjà fait plusieurs fois en vidéo. Je vous mettrai de toute manière tout ce que je compte faire, mon meal prep, en barre d'infos. Donc voilà, c'est très pratique à faire, c'est tellement facile à faire. Je vais manger ça avec une salade de mâche que j'achèterai sur le marché samedi. Et également avec une salade de carottes râpées que j'achèterai évidemment les carottes samedi sur le marché. Donc moi, mes egg muffins, je vais y mettre des tomates séchées, des épinards frais, donc que je vais acheter sur le marché samedi, et également des champignons frais que je vais acheter sur le marché samedi, et un peu de fromage de chèvre, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai acheté des œufs et j'ai acheté également du chèvre, et je voilà, donc ce sera des egg muffins et je trouve ça hyper sympa. Pareil, si j'ai envie de faire une petite pizza à la patate douce, je mettrai un petit peu de tomates séchées. Et pareil, si j'ai envie de me faire par exemple des pâtes, un buon pot de pasta par exemple, ce sera avec ça. J'ai repris évidemment comme toujours les amandes en poudre pour le crumble de Deliciously. Et là, mes tomates pelées concassées, ça c'est un essentiel de mes placards de cuisine pour préparer mes chilis, mes curry, toutes les sauces possibles et imaginables. Également toujours mon thon, donc du thon à la tomate, j'en ai toujours à la maison si j'ai envie de me préparer mes pancakes au thon. Et du thon naturel également, j'en achète toujours pour faire mes croquettes de thon, pour faire une salade, enfin une pizza au thon, enfin bref, j'ai toujours du thon à la maison. Évidemment toujours mes olives de Lidl, ce sont mes olives préférées, j'en fais une consommation industrielle. Et voilà, je vais en mettre tout le temps en fait, j'en mets un peu, je les grignote comme ça. Le soir par exemple, quand je suis en train de faire la cuisine et que j'ai faim, je vais me prendre 4-5 olives comme ça à grignoter, j'adore ça, sur mes pizzas. Si je fais des pâtes, j'en mets partout en fait. Les olives, c'est la vie. Toujours mes compotes sans sucre ajouté, j'en ai toujours à la maison. J'adore prendre ça en dessert le soir, en petite collation. J'ai repris également le mélange de quinoa et ses petits légumes. Donc c'est du quinoa blond et rouge cuisiné aux légumes, c'est bio et la composition est excellente. Et ça, j'en ai toujours dans mes placards pour les gros jours de flemme. Donc voilà, c'est vraiment quand j'ai la flemme de cuisiner, quand je prends pas le temps de cuisiner, quand j'ai une journée de travail chargée, au moins je sais que dans mes placards j'ai ce genre de choses pour me faire manger quand même sainement, sans avoir à me ruer sur quelque chose qui serait pas bon pour ma santé. J'ai pris cette tablette de chocolat bio, chocolat noir aux amandes caramélisées, et là j'ai trouvé ça il y a peut-être un mois, deux mois chez Lidl, j'en ai pris une fois, j'ai trouvé ça délicieusement bon, donc j'en ai repris. J'aime toujours avoir ça, vous savez, sur mon petit meuble à thé dans mon salon. Comme ça, le soir, quand je prends ma petite infusion, j'aime bien me prendre un petit carré de chocolat noir, c'est délicieux. J'ai pris également chez Lidl ce thé bio éléphant. Donc c'est Isadora qui achète souvent cette marque, moi jamais. J'ai vu ça chez Lidl, j'ai fait bah je vais tester. Donc c'est une infusion hibiscus, mélisse et feuilles de mûrier.
Donc voilà, c'était pour tester. Vous savez que j'ai un meuble à thé dans mon salon et depuis quelques temps j'ai plus grand chose comme thé, et quand des personnes viennent à la maison je sais pas trop quoi leur proposer comme thé, donc je me suis dit que ça allait être pas mal de boire ça moi-même, mais également d'en faire profiter les gens qui viennent me rendre visite. J'ai pris également ces deux filets de cabillaud panés. C'est Isadora qui m'a fait découvrir cette gamme, donc c'est la gamme MSC. C'est une gamme Lidl qui a une excellente composition, qui est vraiment très, très réputée pour avoir une composition excellente. Et c'est vrai qu'Isadora en achète pas souvent parce qu'elle va plus chez Lidl de toute manière, mais quand elle y va, elle en achète. Et moi, une fois j'en avais acheté et j'avais trouvé ça dégueulasse, je sais pas pourquoi. Et là j'en ai mangé chez Isadora la semaine dernière et j'ai trouvé ça délicieusement bon. Donc voilà, j'en ai racheté. Et ça, je garde ça au congélateur pour les jours de flemme. Donc la semaine prochaine, je vais manger ça, je pense, le midi. Parce que je vais me préparer le midi une poêlée asiatique. Donc une poêlée asiatique, on a aussi une recette sur la chaîne YouTube, je vous mettrai tout en barre d'infos. Une délicieuse poêlée asiatique à base de légumes de saison, donc à base de carottes, que je fais en tagliatelle avec un économe, avec des brocolis, des champignons, de l'oignon. Et voilà, je vais préparer ça avec des pâtes, des vermicelles de riz et avec une petite sauce soja, mais je vous mets la recette en barre d'infos. Sauf que la recette qu'on vous avait proposée, c'était en été, donc c'était avec des légumes d'été, mais là je vais les faire avec des légumes d'hiver tout simplement. Et je pense que je rajouterai lundi et mardi un petit filet de cabillaud avec, je verrai, c'est pas encore décidé pour ces cabillauds, mais en tout cas c'est sûr que je fais une poêlée asiatique pour le midi. J'ai repris de la mozzarella, toujours la même, la mozzarella gamme sans OGM. Pareil, j'en achète toujours pour faire mes pizzas, toujours. J'ai pris également des pois chiches parce que j'aimerais me faire des falafels. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de falafels maison et ça me donne bien envie. Donc les falafels, c'est tout simplement vous prenez des pois chiches que vous mettez dans un mixeur, dans un blender, dans ce que vous voulez, dans un robot. Vous mettez avec de la coriandre, du persil, des petits épices et de l'ail, il faut de l'ail aussi. Vous mixez tout ça, vous en faites des petites boules que vous mettez sur une plaque de cuisson, vous mettez ça au four et c'est absolument délicieux, c'est très facile à faire. On avait proposé une recette il y a une éternité sur YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos également. J'ai eu envie d'en refaire. Toujours une bûche de chèvre président, toujours ma purée de tomates Lidl que j'achète toujours pour tartiner mes fonds de pizza, mes fonds de tarte. Du vinaigre blanc, j'en achète toujours chez Lidl. Ça, le vinaigre blanc, je l'utilise essentiellement pour mon ménage. Donc je l'utilise en mettant du vinaigre blanc et des huiles essentielles de citron dans un petit pulvérisateur, non pas vaporisateur. Et en fait c'est mon nettoyant multi-usage que j'utilise au quotidien, tout le temps, dans toute ma maison. J'ai également pris chez Lidl cette crème pour les mains. J'ai les mains en ce moment qui sont tellement desséchées que je me suis pris cette petite crème. Donc c'est de la gamme Sienne Nature, crème de main au calendula. Et la gamme Sienne Nature, je sais pas si vous la connaissez, c'est une gamme qui est très réputée pour sa composition qui est excellente. Dans le magasin, j'ai utilisé l'application Inky Beauty, je sais jamais ce qu'on dit. C'est une application qui est très pratique, je vous invite vraiment à la voir dans votre téléphone. Comme ça, quand vous êtes dans les magasins, que vous avez envie d'acheter un produit cosmétique et vous n'êtes pas sûr de la composition, eh bien n'hésitez pas à scanner tout simplement le code barre. Avec l'application, il suffit juste de scanner le code barre et ça vous indique si la composition est bonne ou pas. Et celui-là a 15 sur 20, donc c'est très bien. Pareil que pour la gamme végétale, veggie, etc. C'est une gamme qui est en édition limitée, donc une fois qu'elle vient, elle repart pendant des mois et des mois et elle revient plus tard. Et quand elle vient, en général, toutes les biotistas naturelles se ruent dessus parce que c'est vraiment une gamme qui est réputée pour être très clean. Pour finir chez Lidl, j'ai pris du pain. Cette fois-ci, j'ai pas pris du pain aux noix parce qu'il m'en reste dans le congèle en petits morceaux. J'ai pris le pain rustique que j'aime beaucoup, qui est bien gros là. Et voilà, je me suis dit que ça allait être très bien pour manger mes petits egg muffins avec ma petite salade de mâche et de carottes râpées la semaine prochaine, mes repas du soir, ça va être très bien. Donc pour ma petite salade de carottes râpées, je vais faire des carottes râpées avec dedans des petits oignons rouges, du raisin, du persil et ça va être délicieux. Donc voilà, c'est tout pour Lidl. Maintenant je vais passer au magasin bio. Qu'est-ce que j'ai acheté au magasin bio? À la base j'étais partie pour acheter deux choses, du liquide vaisselle et du percarbonate de soude. Je suis repartie avec plein d'autres choses. Ça c'est mon problème au magasin bio, c'est pour moi au magasin bio c'est comme si j'allais chez H&M, hein. Je suis refaite, je suis en train de me dire mince j'ai envie d'acheter ça, voilà.
Donc au magasin bio, j'ai acheté du percarbonate de soude. Je dis bien du percarbonate de soude parce qu'à chaque fois que j'en parle sur Instagram, vous dites mais non, tu te trompes, c'est du bicarbonate. Non, j'achète toujours du bicarbonate, mais il m'en reste dans mes placards. J'achète du percarbonate de soude. Donc je l'utilise essentiellement pour mon linge blanc, notamment mes carrés démaquillants lavables, vous savez. Mes carrés démaquillants, forcément, je mets du mascara. Mon anti-cerne est forcément de ma couleur de peau, donc en général, mes carrés démaquillants sont dégueulasses. Et pour les ravoirs blancs de chez Blanc, nickel comme neuf, il suffit d'utiliser du percarbonate de soude. Donc une cuillère à soupe dans de l'eau chaude. Je dis bien de l'eau chaude, de l'eau très chaude, pas de l'eau chaude du robinet, hein, vraiment de l'eau chaude. Et je laisse tremper tout simplement mes draps, mon rideau de douche, drap blanc, rideau de douche, torchon blanc. Et également mes carrés démaquillants blancs, ça ressort comme neuf. Je vous mettrai le lien de l'article d'Alinature. C'est grâce à Alinature que j'ai découvert cette astuce qui est révolutionnaire pour le linge. Donc je mets tout ça en barre d'infos. Et de toute manière, je vous prépare une vidéo routine ménage au naturel pour les semaines qui arrivent. J'ai repris donc du liquide vaisselle éco doux. J'ai tenté hein, les liquides vaisselle maison, mais ça me convient pas du tout. Donc j'ai pris celui-là. D'habitude je prends la saveur verveine, là j'ai pris la saveur menthe. Il me fallait également du vinaigre de cidre, donc j'en ai racheté, j'en ai toujours à la maison. Le vinaigre de cidre c'est un indispensable autant pour ma cuisine que pour la salle de bain. Moi j'achète celui-là, j'utilise pour mes vinaigrettes, je vais l'utiliser pour tellement de choses. Par exemple quand j'ai plus de levure, un peu de bicarbonate alimentaire, un peu de vinaigre de cidre, ça vous fait de la levure. Pour faire mes pickles d'oignons, toujours vinaigre de cidre. Et dans la salle de bain, j'utilise notamment depuis quelques semaines maintenant pour faire mon eau de rinçage après mon shampoing. J'ai racheté du ghee, donc ça j'en achète depuis plusieurs mois maintenant, j'en achète très souvent. C'est du beurre clarifié, donc indien. C'est cher, je vous cache pas, c'est 6 euros je crois le pot. C'est cher, mais ce goût est tellement magnifique. Je sais qu'on peut le faire soi-même. Vous êtes nombreux à me dire à chaque fois, Merza, on peut le faire soi-même, je le sais, mais je prendrai pas le temps là, dans la vie actuelle, de me faire du ghee moi-même, mais je sais que c'est faisable. Si je trouve un article avec une recette très facile de ghee à faire soi-même, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est bourré de bienfaits nutritionnels, et notamment, ce qui est très bien, c'est que ça supporte une grosse chaleur, donc en cuisson. Vous pouvez le faire chauffer à haute température, et je l'utilise beaucoup pour le crumble de Deliciously Ella. Deliciously fait son crumble avec de l'huile de coco. Moi j'ai jamais testé à l'huile de coco, je l'ai toujours testé au ghee, et je peux vous assurer que c'est une dinguerie. J'ai pris également en vrac des lentilles corail. J'adore l'avoir à la maison pour me faire des dalles. Le dalle de lentilles corail c'est ma passion. Je l'ai pris en vrac parce que je les mets dans mes bocaux. Vous voyez ici j'ai toujours tous mes petits bocaux. En général vous remarquez, ce sont les bocaux Lidl. Je les garde en général pour mettre mon vrac. Donc là c'est mon vrac de lentilles corail. Et également j'ai pris en vrac du riz complet. J'adore le riz blanc. J'avais peur que le riz complet soit très sec, très beau. Et j'ai testé il y a maintenant 3 semaines, quelque chose comme ça, j'en ai acheté un paquet et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc j'en ai acheté cette fois-ci en vrac, et pareil pour accompagner mon dalle de lentilles corail, etc. Ensuite, pour me faire plaisir, je me suis pris 2 boîtes de thé Yogi Tea. Vous savez que les thés Yogi Tea ce sont nos infusions d'amour, je les adore. J'en achète très souvent. J'aime trop ça. Il y a les petits mantras dessus, les petits mantras qui nous motivent le matin ou qui nous apaisent le soir, donc c'est top. Donc moi, mon préféré, c'est celui Himalaya. Donc Himalaya, c'est gingembre, fenouil et cannelle. Donc ce sont des infusions ayurvédiques. Un que j'aime énormément aussi, c'est gingembre citron classique, gingembre, zeste de citron et menthe poivrée. J'aime beaucoup celui-ci. Et pour changer un petit peu, je me suis pris ce thé donc de la marque Les Jardins de Gaïa. Les Jardins de Gaïa, j'avais testé leur thé il y a plusieurs années maintenant et j'avais pas franchement été très emballée. J'avais trouvé qu'il y avait très très peu de goût. Mais comme on en parle beaucoup sur les réseaux, je me suis dit bah écoute, retente l'expérience. Donc j'ai pris le thé rooibos aromatisé qui s'appelle Élixir des petits lutins. Clairement, je vous cache pas que c'est le nom de cette infusion qui m'a fait craquer. C'est trop mignon. Donc c'est à base de vanille et de fraises. Donc c'est un rooibos
et ça me plaît bien. Fraise vanille, je trouve que ça a l'air pas mal, donc je vous en dirai des nouvelles. Et pour finir, un autre petit plaisir, j'ai pris un pot de sojade, donc c'est un yaourt à base de lait de soja, pêche et fleur de sureau. Je l'aime beaucoup celui-là, c'est pas mon préféré, mais dans mon magasin bio indépendant, c'est un petit magasin bio que j'ai en bas de chez moi, il propose que ces saveurs-là, même si moi je préfère largement ceux à l'ananas ou à la banane. Mais bon bah je fais pas ma difficile et j'ai pas envie d'aller jusqu'à Biocop qui est en centre-ville. Je préfère être juste en bas de chez moi, c'est plus pratique. Et ça j'aime beaucoup l'utiliser pour faire par exemple mes overnight porridge. Et là la semaine prochaine je vais l'utiliser notamment pour manger le crumble de Delishousiella. J'aime bien en fait le matin, je me coupe une petite part de crumble que je remets au four un petit peu pour le réchauffer, pour que le crumble au dessus soit de nouveau croustillant. Je le réchauffe un petit peu au four et à côté je mets une petite cuillère à soupe de yaourt de soja, et j'aime ce chaud froid absolument divin. Voilà, je n'en dis pas plus. Et voilà, c'est tout pour mon retour de course. Ça fait déjà quand même pas mal, je pense que la vidéo va être assez longue, mais voilà si ce que j'ai acheté. Donc pour récapituler, la semaine prochaine pour mon meal prep, je vais préparer le crumble de Delishousiella et là à base de pommes que j'achèterai donc sur le marché samedi matin, et de fraises, donc les fraises surgelées. Le midi je vais me faire une poêlée asiatique, donc aux légumes de saison avec brocoli, carottes, champignons, et que je vais accompagner, je ne sais pas trop encore ce que je vais accompagner, peut-être soit deux œufs mollets, soit les petits poissons que je vous ai montrés, donc de chez Lidl, les poissons panés, je verrai. Et pour le repas du soir, mes petits egg muffins aux tomates séchées, champignons et épinards que j'achèterai sur le marché avec de la mâche, et une salade de carottes râpées aux oignons rouges, persil et petits raisins secs. Voilà. N'hésitez pas à partager en commentaire avec moi votre meal prep de la semaine. Et n'hésitez pas également à partager avec moi vos récentes découvertes. Dites-moi quelles sont vos jolies découvertes du moment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. En attendant, et bien, à plus !